Shalom, peuple de Dieu. Encore une fois, nous sommes très contents de nous retrouver chez vous pour parler de la part de Dieu, de ce message combien important en ce moment qu'on parle de déconfinement. Mais avant d'aller plus loin, nous voulons prendre quelques minutes dans la prière. Père de grâce, nous ne pouvons que te dire un grand merci parce que tu es celui qui nous a accompagnés dans ces combats contre le coronavirus. Et nous avons expérimenté de grandes victoires à travers la planète. Nous avons expérimenté de grandes victoires dans nos familles, dans notre pays, et nous ne pouvons que te dire un grand merci. Voilà pourquoi, encore une fois, nous recommandons ce message à ta grâce. Inspire-nous, parle-nous, afin qu'au terme de ce message, que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, peuple de Dieu, que notre Dieu soit loué. Il y a eu un moment où on parlait de plus en plus de confinement, mais maintenant le langage a changé. Nous sommes en train de parler de plus en plus de déconfinement. Bref, que le COVID a été vaincu, qu'il a été humilié par notre Dieu et que la victoire est certaine. Mais peuple de Dieu, c'est vrai, nous sommes en train de remporter de grandes victoires avec Dieu, mais cela ne doit pas nous faire oublier ce qui s'est passé réellement. Comment un virus venu d'un coin de la planète a envahi toute la planète au point de fermer toutes les frontières, au point de fermer des entreprises, au point d'affecter la santé physique et de fermer les églises. Nous ne devons jamais oublier ça. Ça doit nous donner une matière à réflexion. C'est pourquoi, en ce moment où l'on parle du déconfinement, nous devons nous poser la question de savoir, oui, déconfinement, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire après ce déconfinement? Est-ce qu'on va reprendre la vie qu'on avait avant les confinement, ou bien nous allons réfléchir et reprendre la vie autrement. Voilà pourquoi, après les messages que nous allons partager ce matin, toujours dans ce thème du combat contre le coronavirus, n'oubliez pas que nous étions arrivés déjà à notre sous-chapitre sur l'alliance avec Dieu, et nous avons vu les avantages d'avoir une alliance avec Dieu. Mais cette alliance ne doit pas s'arrêter tout simplement à une simple connaissance, à quelque chose que l'on connaît seulement, mais nous devons aller plus loin jusqu'à la pratique de cette alliance qui va nous aider à vivre les exploits avec Dieu. Nous voulons, avant de comprendre les messages de ce matin, lire quelque chose dans la Bible. Nous sommes dans le livre de Agée, au chapitre 1er. Nous allons lire le verset 7 et le verset 8. Agée, chapitre 1er, le verset 7 et le verset 8, la Bible dit « Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. » Que notre Dieu soit loué. L'Éternel dit, considérez attentivement vos voies. Avant le confinement, qu'est-ce qui se faisait? Qu'est-ce qui s'était passé avant que le confinement n'arrive? Regardez attentivement comment vous étiez en train de marcher avec votre Dieu. Regardez vos relations particulières avec votre Dieu. Regardez ce que vous avez fait de l'alliance avec Dieu. Et maintenant, Dieu nous dit, oui, c'est vrai, il y a le déconfinement. Les portes vont bientôt s'ouvrir. Mais avant d'aller, avant d'entrer de nouveau dans ces portes, observez attentivement vos voies. Et Dieu dit, cette fois-ci,
quand vous allez monter dans la montagne, c'est-à-dire quand vous allez monter à l'église, quand vous allez franchir la porte de l'église, vous devez avoir quelque chose à l'esprit. Qu'est-ce que vous devez avoir? La Bible dit, montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison. Faites quelque chose pour laquelle Dieu en aura de la joie. Il dit, j'en aurai de la joie et j'en serai glorifié. Dieu attend que tous ceux qui vont franchir la porte de l'église aient l'ambition, cette fois-ci, de chercher la joie de l'Éternel. C'est pour cela que la Bible dit, la joie de l'Éternel sera votre force. Nous sommes dans cette alliance particulière avec Dieu. Mais cette alliance nous pousse à aller au-delà de ce qu'on était avant le confinement. Dieu dit, montez, c'est vrai, la porte est ouverte, montez à l'église, allez à la maison de l'Éternel, montez sur la montagne, mais regardez comment vous allez monter sur cette montagne. Apportez du bois, allez pour travailler pour les intérêts du royaume des cieux. Nous sommes sur la terre pour un but, nous sommes sur la terre pour un but divin. Le but divin, c'est de chercher les intérêts du royaume. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et le reste des choses, les choses pour lesquelles les gens transpirent, Dieu va vous les donner parce qu'il sait que vous en avez besoin. Mais les soucis de Dieu, ce qui fera la joie de Dieu, c'est de voir les hommes et les femmes qui vont à l'église avoir les soucis de bâtir la maison de Dieu. Pas seulement pour aller chercher du travail, les mariages, les bénédictions, tout ça, pendant que la maison de l'Éternel est détruite, pendant que personne ne se soucie de la maison de Dieu. Il dit, quand vous allez bâtir ma maison, moi j'en aurai de la joie. Quand vous allez travailler pour les intérêts du royaume, j'en aurai de la joie. Ce qui fera votre force, c'est le fait que vous soyez en train de chercher ce qui fera la joie de Dieu. Et nous avons vu que ce qui fait la joie de Dieu, c'est son service divin. Et nous avons parlé du pilier, des trois piliers qui constituent ce service divin. Nous avons parlé du gain des âmes comme étant le premier pilier qui est très important, qui fait la joie de l'Éternel à travers le monde entier. Quand les âmes sont gagnées à Dieu, Dieu est content, il est dans la joie. C'est pourquoi la Bible dit, quand une âme est gagnée, il y a une grande fête dans les cieux. Pourquoi ne pas être un organisateur de fêtes dans les cieux? C'est facile pour parler des exploits humains. C'est facile pour parler de ce que les autres font. Mais pourquoi ne pas parler de ce que notre Dieu fait? Pourquoi ne pas parler de ce que Christ a fait pour nous à la croix? Donc, le premier pilier, Dieu nous dit, allez, bâtissez, revenez aux Écritures. Soyez en train de gagner les âmes. Pourquoi? La Bible dit, celui qui gagne les âmes est sage. Et ceux qui auront enseigné à la multitude, ils brilleront comme des étoiles. Gloire à Dieu. Donc, c'est vrai, on est dans cette alliance, mais persévérez dans les services divins. Ravivez ça, actualisez ça. Soyez en train de rendre frais votre engagement pour Dieu. Le deuxième pilier, c'était la prière. Nous voulons des églises où des hommes et des femmes sont en train de prier pour l'avancement des intérêts de Dieu, sont en train de prier pour ce qui fait la joie de l'Éternel. Et là, le troisième pilier, c'est une église où les gens apportent leur bois, ils apportent leurs finances, leur matériel pour bâtir la maison, pour bâtir de beaux temples. Comment vous pouvez vous habiter de belles maisons, mais vos temples sont en lambeaux? Vos temples ne sont pas vraiment un bon endroit, il faut beau vivre. Là où il faut adorer Dieu, on peut bien entretenir ça, on peut rendre ça très beau. Vous pouvez acheter de belles choses pour votre Dieu. Ayez toujours un rêve pour ce Dieu-là. Ayez toujours un rêve de quelque chose que vous n'avez jamais fait pour votre Dieu. N'attendez pas toujours que les autres fassent le premier pas. Soyez celui qui fait le premier pas. Soyez celui qui rend possible quelque chose pour que les autres soient motivés. Soyez celui qui donne toujours le ton. Soyez toujours la tête et non la queue. N'attendez pas toujours que les autres fassent pour que vous puissiez suivre. Mais soyez de ceux-là qui osent
ce que les autres hésitent de faire. Donc, montez dans la montagne, dans la maison de l'Éternel avec du bois. Soyez déterminés. Après le déconfinement, oui, c'est vrai, il y a une situation économique catastrophique. Il y a une récession dans le monde entier. L'économie n'est plus comme avant le confinement. Les situations difficiles sont là. Mais c'est pendant ces moments difficiles que Dieu nous regarde. C'est pendant ces moments difficiles que Dieu voudrait nous faire vivre sa grandeur et sa puissance. C'est pendant ces moments difficiles qu'il nous fera comme ce qu'il avait fait à la veuve de Sarepta, qui n'avait qu'un peu d'huile, un peu de farine. Mais l'homme de Dieu lui a dit, « Prépare-moi d'abord. » Et après, la bénédiction est entrée dans sa maison. Gloire à Dieu. Nous sommes sûrs et certains que nous sommes maintenant dans un moment où Dieu veut bénir son peuple. Après le déconfinement, c'est un grand moment de visitation, un grand moment des exploits, un grand moment où Dieu va passer pour se rappeler les souffrances de son peuple. Est-ce que vous serez parmi ceux-là que Dieu va visiter pour que Dieu pourra dire, vous avez trouvé grâce à mes yeux, comme Marie qui avait trouvé grâce. Oui, j'ai prié pour que, après le déconfinement, que Dieu vous visite, que vous puissiez travailler comme vous n'avez jamais travaillé avant, que votre alliance avec Dieu soit réellement une alliance particulière, qui n'est pas comparable à quoi que ce soit, que vous soyez motivé plus qu'avant, que vous soyez en train de faire quelque chose que vous n'étiez pas en train de faire avant le confinement. Ayez toujours le courage de faire quelque chose pour Dieu. Pas seulement de connaître qu'on doit faire ça, mais de faire quelque chose. Il faut du courage pour oser aller dans la rue et parler aux chèques. Il faut du courage pour aller parler aux Kuluna, que Dieu les aime. Il faut du courage pour parler aux autorités, que Dieu les aime. Il faut du courage pour parler aux hommes d'affaires, aux femmes d'affaires, que Dieu les aime. Il faut du courage pour sortir de votre maison, pour sortir de votre avenir et parler aux autres. Il faut du courage pour faire ce que vous n'avez jamais fait pour Dieu. Il faut du courage pour dépenser quelque chose que vous n'avez jamais dépensé. Il faut du courage. Et j'ai prié pour que vous puissiez avoir ce courage. J'ai prié pour que votre déconfinement à vous ne soit pas comme celui de tout le monde. Vous allez y aller avec une ambition, une détermination, un dévouement comme jamais auparavant. Et Dieu, le Dieu de la Bible, se manifestera dans votre vie comme il l'a jamais fait auparavant. Ma prière est qu'en ce moment de déconfinement, que la grâce de Dieu vous visite, que la grâce de Dieu visite votre famille, que la grâce de Dieu visite votre église, que votre église soit une église où les hommes et les femmes sont tous engagés pour les intérêts de Dieu. Oh, je vois comment Dieu va visiter une telle église. Je vois comment Dieu va se manifester dans une telle église. Gloire à Dieu. Ma prière est que quand vous allez travailler pour les intérêts de Dieu, que vous puissiez vivre l'accomplissement de ce que Dieu lui-même a dit. Il a dit, vous me servirez, je bénirai votre pain, vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. J'ai prié pour que la maladie soit loin de toi, loin de ta famille, loin de ton église. J'ai prié pour que le reste, les autres bénédictions, l'emploi, le mariage, la fécondité, vous soient accordés parce que vous êtes un peuple engagé pour Dieu. Oui, n'ayez pas peur de Dieu. N'ayez pas honte de parler de Dieu. N'ayez pas honte d'engager vos moyens pour Dieu. Il en sera content et sa joie sera votre force. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Que la grâce de Dieu vous accompagne, que la grâce vous couvre. Et à très bientôt, soyez avec Dieu.